Grand-père était un vrai héros. Léonidas. Il fut le dernier vrai héros de Sparte. Sans sa bravoure, nous vivrions tous sous le joug de l'Empire perse. Et ce sang coule dans tes veines. Ainsi, notre sang vient d'une lignée royale ? Tu es beaucoup plus qu'une mercenaire. Ton sang est celui des héros. Il est chargé de pouvoir. Tu te rappelles ce que je t'ai dit ? Que des gens essaieraient de s'emparer de ce pouvoir. Et tu as promis... de les en empêcher. Tends ta lance. Tous ces discours à propos de la pitié, je me moque de ce qu'elle peut dire. Assez ! Nous sommes plus que là de tes insolences. Sparte n'ira pas à la guerre. La pitié a parlé. La pitié répète ce que vous lui chuchotez à l'oreille. Elle est votre pantin depuis trop longtemps. Et je vais mettre un terme à tout cela. Oh, Léonidas. L'époque des héros est révolue. Tu crois que ton sang est différent des autres? Si l'on te coupe les veines, il se répandra et sera absorbé par la terre. Tu n'es rien. Approche si tu veux t'en assurer. Ton sort est scellé, fils du lion. Xerxès saura nous unir. Son ordre apaisera le chaos. Contredis la pitié et tout ce que tu défends. Tous ceux que tu aimes périront. Rassemble les hommes. Mon roi, si Xerxès me prend de Sparte, il me passera sur le corps. Incroyable! Tu comprends, maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? Il est temps d'accepter notre destinée. Si nous n'abattons pas le culte avant qu'il ne soit trop tard, ce pourquoi Léonidas s'est battu et a péri n'aura servi à rien. Notre lignée s'est dressée contre ceux qui voulaient nous asservir. Nous avons le devoir d'en faire autant. Eh bien, eh bien. La mère et la fille enfin réunies à Sparte. Et quelle splendeur! De vraies déesses! Roi Pausanias, tu nous honores. J'ai hélas appris pour ton père. Oui, nos pères auraient été fiers de nous voir ici aujourd'hui. Tu te rappelles de Cassandra, mon roi? Qui pourrait l'oublier? La fille morte pour sauver son frère. Quelle tragédie! Une enfant innocente mise à mort en vertu d'une règle ancienne et drastique. Ancienne et drastique, la plupart des Spartiates vivent et meurent selon de telles règles. Mais tu as l'air plus... ouvert. Et toi, tu as l'air d'avoir fréquenté des Athéniens. J'ai assisté à quelques banquets. Quoi qu'il en soit, votre absence a affaibli Sparte, ce qui est fort préjudiciable. Nous incarnons les raisons d'abroger ces lois. Oh, je suis d'accord. Mais le roi Archidamos, s'il pouvait graver la loi spartiate sur la poitrine de chaque habitant, il le ferait. J'ai passé ma vie à regarder par-dessus mon épaule. Si Sparte doit redevenir mon foyer, je veux un foyer paisible. Paisible ? Mais à quel prix ? Lorsque les Spartiates ne tuent pas, ils s'entraînent à tuer. Et lorsqu'ils ne tuent pas des Athéniens, ils déclarent la guerre à leur propre peuple. Mais nous ne sommes pas là pour parler des morts, n'est-ce pas ? Nous savons que l'État a pris notre maison après ce qui est arrivé à mon père en Mégaris. Qu'il nous la rende. Surveille ton langage. Tu ne vis peut-être plus à Sparte, mais je reste ton roi.
Nous requérons humblement une audience afin d'évoquer la restauration de notre statut de Spartiate et la restitution de notre maison. Bien sûr. J'y suis tout à fait favorable. Archidamos, en revanche, ne t'a toujours pas pardonné à cause du nez. Comment peut-on l'amener à y consentir? D'après la rumeur, les Ilotes se révoltent et la Cryptéia attise les flammes. En tuant, en volant du bétail et en laissant des cadavres pourrir dans les rues. La Cryptéia constitue le summum de la formation militaire spartiate. Sa discipline et son courage ont fait de l'armée de Sparte la plus redoutée au monde. Jadis, oui. Mais certains de ses membres sont aujourd'hui corrompus et assoiffés de sang. Il n'y a rien d'honorable à entraîner de jeunes hommes à tuer des paysans désarmés. Tenez-vous vraiment à retrouver votre maison? Bien. Alors montre aux Ilotes que nous désapprouvons le massacre gratuit de leur peuple. Si leur mort doit nous rendre notre maison, je les tuerai. Tu ne fais pas partie de mon armée. J'espère que tu as une bonne raison d'être là. Les Spartiates doivent s'entraider? Alors me voilà. Oui, le sang Spartiate avant tout. On dirait que cette victoire va t'apporter la gloire. Le fruit du talent et de l'effort. À la manière Spartiate. De l'esclave au général, nous pataugeons dans le sang, pendant que nos dirigeants s'empiffrent et se pavanent. Les Polémarques pensent que la victoire est facile. Je vais réussir à la gagner, cette guerre. Tu as une stratégie? Les chefs athéniens sont paralysés par l'indécision. Leurs maîtres sont trop nombreux. Ce qui ralentit leur réaction. Et c'est là que tu entres en scène. Faufile-toi dans leur fort et tue leur chef. Ça libérera la voie pour mes troupes. Je vais faire ma part. C'est comme si ces Polémarques étaient déjà morts. À titre de preuve, apporte-moi leur sceau athénien. Tes efforts seront récompensés. Si Archidamos est fidèle aux vieilles règles, tuer ces hommes de la Cryptéia risque plutôt de créer un conflit entre lui et Pausanias. Oh, Kefalonia me manque. La vie était simple là-bas. Même si Marcos était aussi stupide qu'un bouc. Absolument rien! Pas question d'abandonner! Sa cachette doit être là! Très bien! Je m'en charge! C'est plus prudent d'aller voir.
Ah!
Tu ne tiendras plus longtemps. Je dois me montrer prudente par ici. On va la trouver, elle ne peut pas être loin. Immédiatement. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Elle essaie de me faire une farce ou quoi? Yann! C'est de là-bas qu'on l'a tiré. Ugh!
voir. Regardez, allez là. Je suis en train de perdre sa trace. Qui s'amuse à faire ça? J'ai pourtant bien entendu siffler. Il n'y a rien dans le coin. Je n'aime pas ça. Il vaut mieux aller voir ce que c'est.
M'en vais. Je dois rester caché. Attends! Il va crever! Ah 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 ah
on charge! Où est-ce que tu es passé? Reviens ici tout de suite! Come on.